Choose your character! Bonjour à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 14 sur Vous avez rien compris, mais c'est pas grave, c'est normal. Et dans l'épisode précédemment, on s'est fait attraper par... comment il s'appelle? Racker. Le mec avec voilà, le ticket d'or de la chocolaterie sur le pif. Et il nous a amené à Nikki, qui est maintenant la matriarche et qui était possédée par l'espèce de monstre qu'on avait vu dans le premier dans le tout premier épisode qui avait violé un autre monstre. Là, il est un peu rentré dans le corps de Nikki, contrôle un peu le corps de Nikki et nous fait voir des choses, nous fait revivre des souvenirs, notamment des souvenirs avec notre mère qu'on aurait pu sauver. Et puis on s'est sorti du rêve. Et puis après on est parti dans le rêve de Nikki qui veut fêter l'anniversaire de Coral, sa mère, mais qui est malheureusement morte en essayant de la sauver. Et du coup on essaie de s'échapper. Parce qu'on a un drone qui coupe au cul et des gens qui nous tirent dessus. Ah oui, j'ai des armes qui invisibles. Aïe, ça pique. J'ai senti celle-là. Aïe, même pas de dégâts de chute. Parce qu'on est des héros. Ah, mais lâche-nous! Ça craint à mort, il nous faut une issue! Alors crée-en une! Là! Drax! Frappe cette partie du mur le plus fort possible! Pourquoi? Parce qu'on va tous mourir sinon! Merci! Très bien! Oui! Toboggan! Moi, je reconnaîtrais ce doux parfum entre mille. Alors, ça a sauvegardé. Alors, parce que comme j'ai mes armes qui ont disparu. Venez! Je voudrais relancer la sauvegarde. C'est du refroidisseur de moteur à distorsion ultra toxique. On peut pas sauter là-dedans. On doit continuer d'avancer. Peut-être pas été clair. Si on saute là-dedans, on est mort. Ok. Bah on est mort alors, parce qu'il y a un drone derrière nous qui... Qu'est-ce que... Drax, mon pote, ça va? Oui. Ah, ok. Eh ben c'est peut-être pas du refroidisseur finalement. Bah bravo, Rocket, t'es censé être le spécialiste là-dedans. Bon bah c'est pas grave, oh putain, pas les chaussures, oh pas les converses, oh ils vont te dégueulasse. Ça chatouille. Quill, on doit parler du fait que ta fille a essayé de nous tuer. Hacker lui a fait quelque chose, c'est sa faute. Tu crois qu'ils ont atteint l'ancien secteur d'extraction? Non, le grand unificateur a envoyé des drones Lictor dans les galeries inférieures. Les hérétiques ont dû être désintégrés. Flac! Ouais, peut-être. Mais au moins, si on est perdu, ils peuvent pas nous trouver. On est fichu. On est perdu et fichu. Faut juste que je trouve mes repères. Je suis jamais monté sur un vaisseau aussi grand. Suis ton instinct, ma petite. Ma petite? Bah, c'est toujours mieux qu'Abomination. Quelle petite coquine. Ok, excusez-moi. Je vais sauvegarder et recharger la partie pour essayer de voir si mes armes réapparaissent. On se retrouve tout de suite. Un instant, s'il vous plaît. C'est bon! Mes armes sont réapparues! Et écoutez, c'était le pouvoir de mon esprit dans les derniers épisodes, c'est pour ça que j'ai pu. Pourquoi avoir construit un temple doré dans la carcasse d'un vieux transporteur? Tu n'as pas écouté? Le grand unificateur a dit que c'était des mineurs. Ils doivent avoir besoin de place. Pour quoi faire? Pour bâtir leur congrégation. Yiki, il y a une porte fermée là. Flac! Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, le truc à porter là, Pandrax, c'est pour sûrement avoir un bonus. Pas les trucs à ramasser les bubis. Tu sais où est la sortie, pas vrai? Je sais. Voilà Fouineur. Tu l'as appelé Fouineur? Oui. Regardez, il va nous amener droit au centre de communication. Là, c'est notre sortie. Et vous voyez que le drone piraté par Rocket est revenu pour vous montrer où se trouve le centre de communication. On s'en occupe. Je sais pas si on peut vraiment le louper, ça. J'ai jamais réussi à le louper. Pourtant, j'ai rejoué deux fois au jeu, je crois. Et bah après j'ai fait exprès de... J'ai quand même réussi à divertir Raker lors de mon deuxième essai. Mais je sais pas si vraiment tu peux louper que il... Mais peut-être. Oh, on peut lancer une bombe à roquette là. La Gamora, ok. Là il y a des trucs. Ok, il y a des choses à faire. Alors c'est parti. Allez, faisons regarder tout ça. Ces crétins ne sont pas... On n'a pas le temps de combattre ces gugus. Mais ils sont cons. Dépêcher de sortir de là pour sauver Nikki. Oh, merci Groot. Tu lui fais confiance? Bien sûr. C'est parti d'abord maintenant.
Alors attends. Le défi, s'il te plaît. Hop, hop, moi aussi j'ai des bombes. Ouh, ça explose. Attends, ils sont les trucs plus gamins. Hop là. Tout ce que j'entends, c'est les ils sont là, il y a une bonne déroulée. Gamora, tu peux faire quelque chose là. Merci. Bon, ça n'a tué qu'un, je crois, mais bon. Allez, allez, vous allez sauver, oui ou non. Ouh, Drax, il l'a planté, on l'a vu. Fais confiance. Bon, s'il te plaît, merci. Drax, peux balancer un truc, s'il te plaît. Oh, bien joué, une triple, bravo. Fanatique, attention. D'autres zélotes se dirigent vers nous. Oh, esquive en plein ta gueule. Oh, et celle-là aussi. Oh, et double dans ta gueule. Juste de le réveiller. Ah merde. Hop. Des piques, des piques. Tiens, je pique. Ils sont ces mecs pour que Queener puisse nous faire passer. Oh, oh. Merde. Et hop, petite bombe dans la gueule. Il est grand temps que je poignarde quelqu'un. Bah attends, ah merde, j'allais dire lui, mais... Allumé. Ces âmes perdues ne savent pas comment s'arrêter. Vas-y. Tu peux poignarder tout seul, là. Rase l'ennemi, Drax. S'il te plaît, Drax. Ah, d'accord, bon, oui, vas-y, prends lui. Vas-y. Oh, ça vous a pas, touché, vous. Oh là, je suis déçu. Oh oui, merci Gabo. Pour tomber sur la seule salle qui semble reliée à toutes les autres salles du vaisseau. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Pas vrai? Vas-y, fonce dessus. Tout, Dax. Merci. Allez, allez. Oh, la patate. Patience, boule de poil. Oh, merci, gros, tu m'as aidé. Hop, feu là. Bon, je dis que les bons, mais c'est chaud que vous entendez chez vous. Chez Iron Man. Le drone chante. Non, n'importe quoi, il n'est pas trop meilleur que les tiennes. Faut peut-être y aller, c'est ça, non? On peut y aller. On va peut-être y aller, est-ce qu'ils arrivent à l'infini, je crois. C'est ça. Ah oui, en plus, il y avait des mages qui arrivaient. Bon, on va mieux partir alors. J'ai bien fait de partir ce moment-là. Ouh. Winner va avoir besoin d'une jambe sur le Milano. C'est qui va lui donner la sienne? Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il spawnait à l'infini. Faut les tortiller. Il a détruit notre Rubik's Cube volant. Salaud. Attends, on dirait que t'as besoin d'un petit coup de main. Fais l'exploser pour le venger, quoi. Là. Voilà, tu t'es vengé. Une bonne explosion dans la gueule. Et qui dit, qu'il y en a là-haut. Oui, ok. Et c'est ça. Tu scannes ça. Merci. Oui, c'est des batteries modifiées, c'est ce que je savais, je connais. Je connais. Et merde, cul-de-sac, on fait quoi? Là-haut, on peut emprunter la passerelle. Si jamais on arrive à franchir ce trou. Oh là, ça y est, on a un problème. Bah ouais, on est pas aussi agile que toi. Voilà le voilà lui, il veut qu'il le découpe laser. Avant qu'il nous fasse rôtir. Peter, dis-moi que t'as une idée là. Ouais, une minute. Ouais, attends, je scanne. Ce pilier est super lourd. Drax, S'il te plaît. Pousse ça au-dessus du trou. Ok. Tu pouvais te dépêcher aussi, ce serait sympa. Dans l'autre sens, Drax. Qu'est-ce que tu fiches? Mais attends. Oh, ça marche quand même, ça marche quand même. Sortir. Allons-y. Ça marche quand même. Merci, merci Drax. Ce truc veut vraiment ta peau. Sûrement pas, c'est ma peau. On devrait rester en mouvement. D'accord, je bouge. Je reste en mouvement, je bouge. Ça présage rien de bon, Peter. Hop, regarde, je bouge. Hop, des slides à gauche, à droite, à gauche, à droite. Take on me. Waouh. Oh. C'est une sorte de salle de torture. Ils ont l'air en paix. Moi, je dirais qu'ils ont l'air en zombie, mais c'est pas grave aussi, ça marche. On dirait qu'on aspire leur énergie vitale. Ou leur foi. Ou alors ils sont en train de faire un super Gen Kidama. Je connais, j'ai vu Dragon Ball Z. Ils sont en train de faire un Gen Kidama. Et est-ce que ça va? J'ai l'impression d'être de retour sur le demi-monde. Certains de mes compagnons de laboratoire ont donné les mêmes anomies. Les chercheurs Kree leur ont dit qu'on était les élus et ils y ont cru dur comme poil. Même au moment de mourir. Mais pas toi. Je faisais partie des plus malins. Avec... Je peux pas les regarder.
qui sont le camp d'ici. Ok, il se passe des choses. Dispositif à connu, l'objet ne figure pas dans le système, aucune information disponible, analyse génétique inhabituelle, recherche en cours. Je fais bien le robot, vous avez vu ça. Bon bah. Et en plus, il y a des gros prêtres, des robots géants. Garde que ce cauchemar se termine. Dis-moi qu'on approche du centre de communication. Fouineur nous a envoyé ici. Il nous a envoyé dans un cul-de-sac. C'était pas un cul-de-sac pour lui. Oh, en fait. Eh ben, espérons que le raccourci de Drax aille dans la même direction. Ouais, un raccourci. Oui. Alors attends, je suis. Moi, bon, ça y est, je suis perdu. Mais c'est un cauchemar. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pas grand-chose. C'est bon, j'avance. Mais je sais pas, je vous laisse regarder parce que vous avez l'air subjugué par. J'ai déjà vu ça dans Dragon Ball Z, hein, l'échange d'énergie. Je réserve une balle à ces hommes. Oh là, hé! Qu'est-ce qu'il faut subir à ces hommes batteries? C'est beaucoup de balles! Qu'est-ce qu'il faut? Ta gueule! Oh là, on me tire dessus! J'ai esquivé, mais. Préparez-vous! Mes points ont eu raison d'infidèle! Oh, coup de pied à la couverte! Merde, attends. Hop, ah, un petit pic! Hop là! Oh, l'esquive! Ce vaisseau est une usine à cauchemars! Oh, patate! Oh! Oh, il s'est passé plein de choses, c'était censuré, c'était trop. Oh! Trop fort! Oh, et toi? Hop, lui il a explosé! Alors, parce qu'il y a un sniper là qui me suit! Attends, qui peut s'en charger? Bon, un petit bon! Merci! Il était un peu trop loin pour moi. Il y en a encore. Groot. Voilà. Le fanatique a rejoint son créateur. Et la miséricorde dans tout ça, Peter. Ah, je me sens mieux. Bon, voyons. Où on est? Je dirais perdu. On est perdu. Ou dans un. On est déjà dans un vaisseau. Ça, on le sait. Ça, c'est acté. Hein. Et c'est ça. Vous vous rappelez le bon vieux temps quand on était juste censé capturer un monstre pour le revendre? Vous avez vraiment cru que ça allait être aussi simple? Oui! Non. Non. Gros, t'es d'accord? Ouais, c'est ça! Un centre de communication! Alors, attends qu'il finit de parler. Enfin. Rocket, à toi de jouer. Ouais, c'est ça, allez, laissez-moi opérer. Le pouvoir du mulet ouvre les portes. Ça doit être le relais. On va pouvoir se barrer. Et t'en as pour combien de temps? Il va falloir que tu m'aides. Ok. Voilà, tu vas te mettre là. Oh là là. Ok. Parfait. Ah. Gamora, t'es trop stylé. Groot, t'es trop stylé. Oh oh, Drax, t'es trop stylé. Pourquoi fait-on semblant de ne pas avoir vu ce qu'on a vu dans la chambre de cérémonie? Que j'ai déjà vu, parce moi, dans la Dragon Ball Z. C'est un mensonge sournois. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'avais envie d'y croire. Mais je savais qu'en me réveillant. Tout se serait envolé. C'est juste un rêve, une hallucination. Qu'est-ce que tu as vu? Je. J'appelle Groot. Oh. J'ai tout compris. J'ai vu ma mère. Vivante. Pour ça, j'ai gardé ce mulet. Mais il y avait aussi autre chose. Comme une ombre. Ouais, exactement. Quoi qu'elle soit, elle se sert de la fille. En lui faisant miroiter un mensonge. Alice de l'autre côté du miroir avec moi, ça. Bah bravo, Rocket. Quoi? Mais c'était complètement fait exprès. Le Milano est en route. T'as un pic qui a marché, du coup. Allez, on s'arrache avant que la police de la foi comprenne ce qu'on fait. De son, là. Où est-ce que le Milano est censé s'amarrer? Hein? S'amarrer. Moi, je ramasse les... Il est pas autorisé à rentrer dans le hangar, alors il va falloir faire preuve d'imagination. Ok, évitons juste de passer par-dessus bord. C'est exactement ce qu'on va faire. Je trouvais un point de rendez-vous près de la coque. Attends, quoi?
Voilà, je vous laisse lire en faisant pause, bien évidemment. T'inquiète, je sais où on va. Bah, je te suis alors, si tu sais où on va, moi je suis perdu alors. T'as quelque chose à cacher? Non, j'aurais mis un truc. T'inquiète, ça va aller. C'est ça, batterie modifiée. Ah oui, on est de l'autre côté des trucs de batterie. Mais ça sert à rien qu'il y ait un masque, que t'as tout monté à fond. Je sais, mais ça me perturbe. Là, il y a un Peter, établi. On peut utiliser cet établi. Faites vite dans ce cas. Le drone est toujours à notre route. T'inquiète, on n'a pas besoin de se servir, je suis déjà à fond, je suis cheaté. Dommage, c'est pas par très ici, joli, hein, mais le cette saleté de porte alimentée par l'énergie de foie est à plat. Alors, comment on l'alimente? Faut trouver un truc compatible avec ce port d'alim. Et si jamais je tirais dessus? Elle marche à la foie. Alors à moins que ton flingue crache de la foie, c'est mort. Bah, ça a été brossé par Jésus, mes armes, monsieur. On doit pouvoir trouver un truc. Je peux transformer mes lasers en électrique et en gel. Y a un robot tueur qui pionce ici. Sa batterie a peut-être encore du jus. Ça se tente? Ok, continue de faire dodo. Je vais juste prendre ça. Ouais, j'en prends le joli cube jaune qui brille. Oh, wow, ça va. C'est pas cool, ça. C'est bon. Oh, attends, y a, c'est quoi, ça? Ah bon. Oula, je vais tomber bien. Faut pas qu'il casse, le machin. Il est résistant. Ah... Non, pas maintenant. Ah, qu'ils disent pas derrière? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Pas du ouais, tout. La batterie va dans l'emplacement de la batterie, non? Ça marcherait, ça? Il y a qu'un moyen de le savoir, connecte-le. Rubik's Cube, on dans le bord, ça fonctionne. En fait, c'est la foi du Rubik's Cube, quoi, mais facile à faire, en fait. Ils ont eu tous marre de faire des Rubik's Cube compliqués. Drax, coup, ils ont fait des Rubik's Cube en or. Drax. Ils ont fait, oh, soit le Rubik's Cube géant en or, hey, facile à faire. Drax. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais que tout ça n'était peut-être qu'un rêve un peu trop tenace. C'est pas un rêve, promis. On doit y aller. Très bien. Oui, bah, ok, il est perdu hein, entre toutes les associations et tout ça, je comprends, mais... C'est quoi, ça? Et là, c'est compliqué. Fuis le mulet. Prends mon mulet. Ouais, c'est pas rassurant. J'ai jamais entendu un vaisseau faire ce bruit-là. Même un chitori. C'est quelqu'un qui chante? Plutôt une incantation vous lointaine. Vous entendez les voix? Ah bah, dans tous les cas, ils sont nombreux, hein. C'est dans ma tête. Je s'appelle Groot. Mais ouais, bien sûr qu'on doit aller par là. Les gars, quoi qu'on découvre là-haut, je tenais à vous dire que ça a été un honneur de voyager à vous. Tu crois vraiment que c'est le moment de nous faire ton discours d'adieu? C'est pas un discours d'adieu. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est ça joli. Se rapproche. D'un laser. T'as un mec un gros sapot géant. Tout est lié, Dragon Ball Z et tout ça. Oh. Y'a un match de foot quelque part ou quoi? C'est quoi ça, c'est monstrueux. C'est personnes réunies. Ils doivent être des millions. Ouais, au moins. Je s'appelle Groot. Ah ouais? Et comment tu veux qu'on les aide? On doit commencer par mettre les voiles de ce tombeau ambulant. On va sortir de là. Et ensuite... On mettra Cosmo au courant de ce qui se passe ici. Il saura quoi faire. L'église nous a trouvés. Flac. Tu crois qu'on peut détourner ce skiff? Sûrement. Quand on les regarde de près, on voit que c'est c'est pas ce que on des... On enlève le cran de sûreté. Des papiers. Je suis surprise que ton arme ait un cran de sûreté. Vous voyez des gens, vous? Bon bah, je suis prête. Ah oui, là, pardon, excusez-moi. D'accord. Okay, vite, petite bombe, merci. C'est comme le bouclier de Racker. Merde, c'est pas le bon. Est-ce qu'on pourrait remettre le bouclier? Je vais mettre le bouclier pour protéger les Français. Oh oui. Et hop, c'est fanatique. Oh, d'accord, ça prenne que la violence. Refais-leur le portrait. Meurs. Oui, tourne-décote. Oh putain, il est parti très loin dans l'univers. Balance ça sur l'ennemi, mon grand. Oh, oh, oh. Oh, il a pris cher. On le rocher dans la gueule, quoi. C'était attaque jet de pierre. Quoi de Pokémon. Ici,
quand on sera sorti, je veux plus en entendre parler. On peut pousser les cadavres, ça devient gênant. Oh, est-ce que lui va tomber? Il est au bord. C'est quand même pas notre problème. On a conclu un accord. Il ne reste plus qu'à y survivre. Bon, voyons ce qu'on peut faire avec cet engin. Allez. Roquette. Allez. T'es sûr que tu sais comment... Wow. Si un simple petit absorbeur de foie peut alimenter... Ah, ils ont disparu les cadavres. Oh, imaginez la puissance qu'il y a ici. Et ils conquièrent même des planètes maintenant. Alors ça... C'est rien. Vous avez entendu? Oula, entendu quoi? Il y a eu un... Oh, oh. Tout va bien. Le bouclier renvoie leur tir. Ouais, mais c'est pas juste, mon porte de tir est pourri. C'est pas vrai. Le bouclier HS, pulvérisé. Bah oui, et comme par hasard. Je m'en occupe. Attends, ils sont où? Ils sont là. D'accord, j'ai visé comme un caca, mais ça a fonctionné quand même. Le jeu est gentil, le jeu est généreux, le jeu est scénarisé. Oh, il y a un morceau qui est tombé, attention en dessous! Pourquoi ils nous attaquent? Bon, bah, bonne chance. Je tire! C'est faut tirer là-dessus! Quoi tout ça là? Je tire à côté. Le skiff est foutu! On doit se poser en vitesse! Ouais, bah, parce que là, ils me font mal, hein! Oh, d'accord, oh, ils volent! Oh, ok. En même temps, c'est de la foi, ils volent! Mais les premiers! Il nous faut un nouveau skiff sans trou! Oh, c'est très joli! Oh non! Un mage. C'est pas lui que je voulais viser. Oh bah. Oh la patate. Oh oui, oui, vas-y. Oh yeah. Le dieu avec Gamora est trop stylé. Coupons les liens qui le lient. Non. Drax, t'en occuper. Prépare-toi à souffrir. Gamora, fais un carnage. Ouais, vas-y Gamora, oui. Oh, je dis oui, Julien Le Père serait content. Mais non, mais c'est pas lui, je voulais que tu vises. Oh non, il avait triangle, il avait le triangle d'épée. Il a disparu, il a touché. Pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Attends, il est où le mage? Il est là, ok. Faut les fumer. Oh, Gamora qui lui a défoncé. Ralentis-les! Allons-moi de jouer! Doulio! Voilà, hop là! Donc il me frappe pendant que je suis en train de tirer sur son pote, c'est pas sympa! Défoule-toi, Rocket! Ouh! Ça marche bien avec l'explosif quand même! Pourquoi il nous attaque? Oh! Coup de pied, la converse! L'attaque converse, je l'ai appelé celle-là! Putain, mais c'est pas le jeu visé! Pourquoi tu vises le plus loin alors qu'il y a. Un qui est juste à côté. Oh, bien joué, Drax. Putain. C'est sponsorisé par la WWE. Vas-y, tire plus mon perso qui peut pas. Ah, putain, j'ai fait le mauvais bouton. Oh, patate. Oh, l'explosion. Oh, ouais. Oh là. Oh non, il y en a encore un. Putain, on aurait fini comme ça. Ça aurait été hop, et hop c'est là. Quoi tout ça là? Ça ressemble à des bombes de carburant. Une petite bombe. Ah merci. Ouh. Coup de petit converse. C'est bon? Ouh. Eh ben c'était épique. Petite explosion. Ouh, merci. Il y en a encore. C'est fini. Fais gaffe à ton feuillage mon grand. Il joue à domicile. Bonjour monsieur. Vous êtes coincé? Pourquoi il nous attaque? Vous voulez que j'appelle un technicien jeu vidéo? Bon allez laissez, ils sont en pleine discussion en l'air, ils sont bons en l'air tous les deux. Ils ont tous un véhicule. On doit juste leur en embrasser un. Ah et d'accord, ça fait bugger tout le jeu, c'est ça? Je tombe et que ça relance. Non. Ah. Attention! Il déboule de tous les côtés! On doit serrer les coudes! Je crois que ça fait bugger le jeu du coup! Bon. J'avais dit, le jeu est sympa, mais il y a pas mal de petits bugs comme ça ici et là. Alors attendez. On va voir si c'était notre chemin, non? Bon. Ok, eh ben on va faire charger le dernier point de contrôle. Désolé pour ce bug. Oh, ralenti magnifique. Oui. Il faut qu'on vole un autre ski. Et yes, ça finit comme ça, voilà.
Et voilà, bon, le bug est... J'ai pu redémarrer, le bug est parti. Pardon, excuse-moi de route. Je vais faire un petit truc stylé. On sait pas si on s'écrase pas, hein. Ça s'arrête jamais. Tain, mais barrez-vous. Tu peux les semer. Comment? On a le même skip. Je peux pas tirer, il y a les boucliers. C'est bon, je peux tirer là. Merde, le bouclier est mort. Il faut que vous les repoussiez. Tain, mais ça, c'est de la merde leur bouclier, pourtant... Oh non, eux aussi ils ont plus de bouclier aussi, j'ai rien, c'est de la merde dans leur bouclier. Tu parles de la foi. Voyons vous-même. Et pas un cube en doré jaune qui est facile à faire, une cube jaune facile à faire. Même si moi j'avoue que c'est joli. Oh oui, il est parti dans le... Il est parti s'écraser là-bas. Par contre, comment ils tiennent les gens là? S'il y a des gens... On va dire que c'est un truc anti-gravité. Par là, ok, merci. Oh putain! Il y a un gros! Il y a un boss, les gars! Attends, faut que je charge. Je me réjouis à l'idée de neutraliser cet infâme. Attends, Drax, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose? Merci. Groot, tu le bloques. Et tu le défonces. On doit descendre de ce truc. Ouais, c'est bon, on lui a enlevé une vie, c'est déjà pas mal. Putain, il a capturé Gamora, il fait King Kong, au secours, il va monter sur une tour. Arrêtez-le. Il a, non mais non, il essaie pas d'emballer Gamora, il essaie de la balancer. Hop là, d'accord. Pourquoi il nous attaque? Ah bah bonjour monsieur. Allez, moi j'en ai marre, je lance la mitrailleuse. Papillon de lumière, mitraillage éclair. Oh putain, les fesses. Oh putain, y a... oh putain. On va tous les attirer, voilà, on les attire tous au même endroit et un pic. Voilà. Ouh, ils sont bien tombés tous. Et vas-y Gamora. Voilà. Ah, c'était une bonne combo. Oh putain, il y a Jean-Michel électrique qui fait que l'électricité. Qui est là? Hop là, des petites grenades qui font baisser l'endurance de l'ennemi grâce à Rocket. C'est pas lui viser du tout. On va se mettre un petit peu de bouclier. Voilà. Oh patate. Oui, oui. Oh putain, elle est trop. C'est toujours la même, mais elle est très satisfaisante cette. Attends, lui, Gamora, tu peux t'occuper de lui, il est chiant. Il est tapé dans le vent, il s'est pas grave super patate. Bonjour. Ici. Oh putain. Attention. On va tirer dessus. Il déboule de tous les côtés. Oh, je les attends. Allez, vole toi, vas-y, tombe. On sera bien. Oh, il est retombé dans les pieds. C'est fanatique. J'ai jamais perdu. Oh, c'était beau. Pas quand s'arrêter. Oh, c'était beau quand même. Tu veux vraiment qu'on remonte sur un de ces cercueils ambulants? Tu préfères rester sur celui-là? C'est encore pas bon. Votre gameplay, les gars, là, il s'innove pas beaucoup quand même, je trouve. Hein. Où est le bouclier? Je sais pas, il marche pas. On va devoir s'en passer. Ils arrivent. Par contre, ce zoom est trop gros. On n'y voit rien. Et ça, c'est un gros pléagien de l'étoile de la mort avec le laser. Hein, je connais. Je te trouve bien téméraire. Hein. Ah, bon, je ne vois pas vraiment comment ça pourrait sauver Katras. On n'y voit rien tellement il faut un énorme zoom. Ah merci. Ce truc tombe en ruine. Merci. Allez, on y est prêt. Est-ce qu'on va y arriver? Oh, j'avais bien visé pour une fois. C'est bon? Fais gaffe à ton feuillage, mon grand. Ils jouent à domicile. Ah bah ils ont moins l'air nombreux comme ça. Ils sont un petit peu séparés. Oh mais c'est... Ah ça va, c'est bien graphisme PS1 quand même. Bonjour. Vous ressemblez tous un peu quand même. Je dis pas ça parce que je suis Aline. Pas qu'on les a tous bousillés de toute façon. Dites. Vous sentez? Non. Les vibrations sont différentes ici. On se rapproche de l'extrémité du vaisseau, donc de la sortie. T'arrives à sentir ça, toi? Allez, un secret. Ah, c'était pour un costume, il y a un coup. Pardon, excusez-moi, je faisais le tour. Oh putain! Oh, j'ai failli tomber!
Bonjour. Ah, bonjour. Au revoir. Désintégration. Ça, c'est fait. Drax, tu peux balancer ça. Ah, lui, là. J'ai arraché un autre couvercle. Drax. Finissons-en. Oh. On va pas le rater. Coup de pied couverse. Oh, comment il a volé. Oh, il est beau. Oh, il tombe. Oh oui, oh oui, par-dessus la troisième corde. Putain. Quand je disais que c'était sponsorisé par WWE. Ouh, c'était très satisfaisant ce combat. Oh, par contre, oh là, il est bugué. Oh, c'est bon. Oh, c'était très satisfaisant. Taisez-vous. Ah. Ah, voilà. Ah, bah, elle peut marcher finalement. Et sa grande robe, elle est partie où? Gamora. Fais-moi confiance, Peter. Encore une pelletée d'affreux qui vient. Ok, on s'occupe d'eux, vas-y, essaie de la rattraper. Lance ça, Drax. Ouh, ça fait mal. Les exposés de la mort. Merci. Rigole-moi ça. Là. Ça va être chaud sans Gamora. Drax, tu peux faire tourner. Ah non, c'est pas ça que je vais faire, c'est pas grave. J'arrive pas à croire qu'elle est utile. Elle sait ce qu'elle fait. C'est pas grave. Et gros, tout. Pile poil où il fallait. Hop là, moi aussi je peux tirer plein de mort. J'espère. C'est pas juste. Il non, je triche pas, c'est pas vrai. Oh, dans les couilles. Oh merde, il avait un. Oh bah, il avait un triangle. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que ça? Oula, mon perso il est parti, je sais pas ce qu'il faisait en fait. Trop bien. Même le jeu il est avec moi, il est trop bien. Oh, cool au pied de la converse. Une super patate et super hyper cute. Oula. Oula. Oh, Groot, il s'est lâché la croûte. Groot a fait ta purée de pour faire vous retourner. Ah, pas magnifique ce que j'allais dire. Pareil, Rocket. Ouh. Ouh, et bah c'était très jouissif. On va s'arrêter là. Ouh, l'enchaînement de combat était pas mal. Et les sacrés combos. Bon, il y a eu quelques bugs, malheureusement. Mais franchement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu aussi. Il est très très fun. Ouh. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche pour aller louper des prochains épisodes sur Marvel's Guardians of the Galaxy. Salut tout le monde et portez-vous bien.